Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Et on se c'est Vacherem. On se retrouve pour une nouvelle partie de The Witcher sur le stream du Loublan ce jeudi, même si c'est pas le jour habituel. Le jour habituel, c'est plus vendredi, mais on a pris un petit peu de retard au début de semaine, donc on a eu un jour off, donc voilà, on a pris un petit peu de retard pour la semaine. J'espère que vous allez super bien. Moi, ça va très bien. J'ai un petit peu bossé mes réseaux sociaux, etc., etc. Donc c'est plutôt sympa. Fâche, ça fait plaisir de te revoir, de te voir. Comment tu vas? Ben, ça va très bien. Et toi, Rufus, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Alors, pour la petite info, j'ai pas été très très présent sur les réseaux, mais j'ai pas non plus fait n'importe quoi. Je l'avais déjà montré hier, je pense, en stream. Mais donc j'ai bossé sur tous les réseaux. Et aussi, j'ai une gueule pas possible. J'ai pas mal fait de rangement. Donc maintenant, en fait, j'ai mon deuxième écran qui est là-bas, mais qui est suspendu. Donc c'est plus cool, etc., etc. Donc j'ai gagné énormément de place éventuellement pour un deuxième setup et tout et tout. Je crois qu'on est malade avec Mika, à confirmer, mais je crois qu'on a le Covid encore. Ah merde, je suis désolé pour toi. Je suis vraiment désolé pour toi. Donc on a fait pas mal de petites choses, et voilà, c'est en termes d'organisation, c'est assez, ouais, yes, t'as fait plein de petits trucs, bah oui, effectivement. Donc c'est plus quali pour moi, mais non, je sais pas. Si ça va être pour vous aussi, je suis toujours aussi mauvais, hein, vous en faites pas, hein, je suis toujours aussi mauvais, ça, on est sur une base de grosses bouletteries bien de chez nous, et donc voilà, on va se retrouver sur The Witcher, les amis, et c'est parti, allez, let's go, c'est parti, juste le temps de faire mes trucs à la con, évidemment, hein, comme d'habitude, mais voilà, j'espère que tout va bien. Et on commencera probablement très dimanche, mais il faut savoir que potentiellement le dimanche, donc ce sera potentiellement le dernier jeu que je ferai le dimanche. Enfin non, c'est pas le dernier jeu, mais je vais à mon avis faire un autre truc le dimanche qui sera des vidéos découvertes de petits jeux, de moyens jeux, de jeux pas trop connus. Mais c'est encore à confirmer. On verra bien. Je sais pas si. Mais voilà, on va potentiellement changer un petit peu de format le dimanche sur des découvertes un petit peu. Voilà, on va pas être sur un let's play, mais plus sur une découverte sur toute la soirée d'un jeu et éventuellement l'intégrer vraiment au let's play si le jeu m'intéresse bien. Donc voilà, allez, c'est parti. Donc, hop. The Witcher. Est-ce qu'on entend bien le... Non, on n'entend pas bien la musique. Arf. Il faut que je bouge le... Je suis désolé. Il faut que... J'ai fait quelques petits changements, donc, avec... vous aurez compris, avec... sur mes scènes, etc. Donc, forcément, j'ai quelques petits trucs, quelques petites conneries qui sont venues s'intégrer, évidemment. Sinon, ça serait pas marrant. Voilà. Tac. Et normalement, la magie fait que on a du son maintenant. Extra, mais il faut quand même que je mette... Mon Twitch, je suis désolé, c'est la bouletterie, c'est toujours pareil. Sinon, c'est pas marrant, sinon vous ne serez... Oh putain, je me trompe d'icône, en plus je suis trop mauvais. Même Bibi veut me brûler. Ok, The Witcher, on t'entend bien. Oh oui, Bibi, il est trop mignon. C'est vrai que ça serait tellement cool de refaire Final 9, franchement. J'y pense, j'ai envie, oh, j'ai trop envie. Allez, bon... Soit. Donc là, normalement, on est
Quand je te disais que Final 9 était un de mes préférés, je ne mentais pas. Est-ce que vous avez du son? Est-ce que vous avez le son du jeu? Est-ce que le son du jeu fonctionne? J'ai trop un chat dans la gorge. Mais d'abord, faut platiner Elden Ring. Ouais! Est-ce que vous avez du son? C'est ok pour moi. Ben, c'est magnifique, il me semblait bien. C'est juste un mauvais réglage. Voilà. Alors. Donc, on était arrivé pour te faire une petite. Un petit récapitulatif. On était arrivé dans les marais. Donc, on avait un petit peu plus de. Comment dire? Un petit peu plus de possibilités. Mais le problème, c'est qu'on a plein de monstres sur la gueule. Et entre autres, des échinopes qui sont vraiment pas sympas. Donc les échinopes, c'est des espèces de plantes qui nous empoisonnent et on a essayé 3 fois de les buter et 3 fois on est mort. Donc voilà. Donc ça va être à mon avis ce live va être assez salé. Puisqu'on commence vraiment à en prendre plein à la bouche. Hein. Café, café. Voilà. Allez. Bon. On va se donner un petit peu de courage. J'arrive. Voilà. Un petit peu de potion magique. Et ça va aller tout seul maintenant. Alors, bon. Il y a toujours le chia curieux qui est là. Waf waf. Alors, purée, cette ambiance. On a un feu de camp. Est-ce qu'on n'avait pas un niveau, tiens? C'est vrai, ça? Est-ce qu'on n'avait pas chopé un niveau? Non. Non. Est-ce qu'on pourrait pas... Attends. Augmente considérablement la régénération d'endurance. Ouais, mais c'est pas... C'est pas... Ouais, bon, on va faire ça, mais... Ouais. Ouais. Est-ce qu'on va jusqu'à l'aube? Voilà. Je me mets en backfash, je vais m'occuper un peu de Mika et me faire une tisane chaude. Ouh là 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 là. Un nouveau client. Montez à bord. Il a de la chance, le Mika. Tant mieux, tant mieux. Bah écoute, prenez bien soin de vous. Et voilà. Alors, bon. Les quêtes. Donc on avait un contrat sur les ghouls, les al-ghouls. Mouchard, c'était quoi si je... Blablabla. Ok, on avait plein de quêtes. Mais c'était quelle quête qu'on devait faire ici? Je ne me souviens plus. Je pense qu'il y avait... ouais, je pense que c'était ça. Blablabla, je dois récupérer 10 langues de Noyades pour Siegfried. Ouais, non, c'est ça, je dois prendre... Blablabla. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc on doit attendre la nuit, en fait. On doit attendre la nuit, tout bêtement. En tout cas, ça fait plaisir de te voir. Mais moi, ça me fait tellement plaisir de streamer, franchement. Parce que ces derniers jours ont été légèrement compliqués. Bon, rien de ouf. Monsieur cherche un bateau. Mais bonjour. Ah, bonjour. Bonjour. Excusez-moi, pardon. Pardon. Bon, on va vous faire mourir, les gens. Vous en voulez pas? Ne m'en voulez pas, pardon. Et chaque fois, décidément, je pense au grand Jafar. Hein. Parce que chaque fois, je prenais la mauvaise arme. Et c'est lui qui m'a fait remarquer que... moi, j'étais sûr que de prendre l'arme en argent. Mais en fait, non, pas du tout. Donc, c'est toujours... toujours sympa de fail comme ça, évidemment. Hein. Ah, bon, j'ai pris la mauvaise. Donc en fait, si je comprends bien, je dois buter les saloperies.
Non, attends, je me suis trompé. Allez, prends la bonne arme. Voilà. Ah, ben voilà, j'ai réussi la quête maintenant. Ok. Ils ont l'air... ils ont pas l'air de vouloir discuter, effectivement. Et on a pris un niveau. Donc on va en profiter tout de suite, hein. On va en profiter tout de suite. Inni. Est-ce qu'on peut faire des trucs sympas avec Inni? Ça, on a déjà. On a déjà... et on va... on va regarder si on peut pas... attends. Dégâts plus 20%. Ok, dégâts plus 40%. Moi, je dis que c'est sympa. Nécessite un talent bronze. Segment plus 5, plus 15. Ah, j'ai plus de talent. Ah si. Ne fonctionne que lorsque l'adversaire est sous le coup d'une incinération. Eh ben, let's go! Ok, bon, ensuite. On va dormir. Bah oui, ça fonctionne mieux. Évidemment que ça fonctionne mieux. C'est moi qui suis à boulet. Bon. Est-ce que... on va sauvegarder. Comme ça, on a fait notre niveau. On est bien. On est magnifique. Et on va quand même essayer d'aller buter les saloperies des Kinop. Voir si... attends. Viande, c'est ce qu'il y a de meilleur. D'accord, si tu veux. Ça, c'est... Salut, fiston. Il est pas vegan friendly, lui. Je ne suis pas votre fils. Je ne suis pas votre fils. Devinez mon nom. Devinez mon nom. On m'appelle le plus souvent Gérald ou l'embalafré. Moi, je ne vois pas comme ça. Je t'aime. Sans vouloir offenser. Je ne me sens pas offensé. Mais je vais sûrement retourner me promener dans ces marais. Oui. Bon. Parlez-moi de la tour du mage. De la tour du mage. En quoi elle t'intéresse? Je comprends. Ben, c'est la tour et il y a un mage. Très ambitieux. Et l'ambition est la clé de la réussite. Je suis trop fatigué pour t'expliquer, mais je t'aime bien, fiston. J'ai un livre là-dessus, quelque part. Cambriole-moi et tu le trouveras. Merci, bébé. Je me demande si tu peux y arriver. Pardon? L'orage approche. Attention à la foudre. Ce que vous dites n'a ni queue ni tête. Quand mes articulations me font mal, c'est que le temps vire à l'orage. D'accord, ok. Je cherche du travail. Je me doute du genre... Salut Yukino. Salut, salut. Ça me donne un coup de vieux The Witcher, bah oui, évidemment. Je suis trop vieux. C'est salut Shingeki, qui est là également. Ça fait plaisir de vous voir. Ah bah oui, ça donne un coup de vieux, The Witcher, oui. Ça, mais je suis vieux. Qu'est-ce que tu veux? Tu fais face à un vieux streamer. Bah oui. Je pensais plutôt à un travail qui rapporte, mais je vais vous accompagner. Je pensais plutôt à un travail qui rapporte, mais je vais vous accompagner. Salut, salut, Yukino Shingeki, j'espère que vous allez bien. Bon. On dirait un village de briquetiers. J'adore le gars qui dit ça en mode super, super vénère. On dirait un village de briquetiers. Je pétais la gueule à tout le monde. Et si vous vous installiez dans le coin, il nous manque un guerrier pour nous protéger. C'était quoi ça? D'accord. Je déteste la sécheresse. Je cherche des informations sur la tour du mage. Ben, elle a toujours été là, dans les marais. Vous connaissez quelqu'un qui se rappellerait sa construction? On dirait Caradoc. Allez voir Pépé, il saura sûrement. Où puis-je le trouver? Il a bien une cabane, mais je sais plus trop de où. Il est juste derrière nous. Il est juste derrière nous, en fait. Ouh, histoire de Lara Doren. Ah, Lara Doren qui est, pour la petite histoire, qui est l'aïeul de Ciri, en fait, puisque c'est la première, c'est une descendante d'elfes,
Non, c'est une elfe elle-même, en fait. C'est une elfe elle-même, c'est la première qui s'est accouplée avec un humain. Et c'était une source. Donc c'était une femme un petit peu voilà qui était assez sensible à la magie. Un petit peu comme on voit le gamin qui parle, enfin qui avait l'air exorcisé, donc qui avait l'air ensorcelé par une entité. C'est un petit peu la même chose en fait. Et Lara Doren, c'est la non seulement elle, c'est une source, mais c'est la première à avoir le sang ancien en fait. Donc le sang ancien, c'est une espèce de mutation qui permet d'avoir des pouvoirs magiques complètement badass. Donc c'est un petit peu voilà, c'est l'aïeul de Ciri, et c'est d'ailleurs pour ça que tout le monde la recherche dans le 3, parce que c'est l'héritière du sang ancien. Et voilà. C'est vous, le loup. Oui, c'est moi, le loup blanc. Je m'ennuie. Je vais te crever, gamine. Allez, soit. Salutations. Salutations. Qu'est-ce qui vous arrive? Rien de bien nouveau. D'accord. Quand j'ai 6 ans, une brique tombe sur ma tête. Qui veut voir mon gros loup? Je joue un jeu où on lance une brique, on compte jusqu'à 5 et... Oui, mais vas-y, enchaîne. On sent que tu voudrais dire quelque chose, hein. Sur la tête. C'est de vous la phrase ou... Non, mais moi je pense qu'il faut que vous arrêtez de vouloir dire des trucs, en fait. Vous voulez une aide pour aller où vous voulez aller? Moi, je perds moi jamais. C'est mon jour de chance. Parlez-moi du marais. Mais non, mais ne le fais pas parler, bordel. Gérald, bordel. Et puis, moustique plein le cul. Qui vit. D'accord. Et tu fais ce que tu veux avec les moustiques, mon gars. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Quoi d'autre? Je sais pas. On va quand même le faire parler, hein. Au plus, je trouvais les druides. Les druides. Ça, dans la plus lointaine clairière de la forêt. Ça va vers le sud-ouest. Mais faut je suis une personne de fréquence. Ou prendre un ah bah oui. Chemin, je sais pas trop. D'accord. Je pense qu'en fait. Trouver les bûcherons. Oh, putain, c'est chiant comme truc. En fait, je pense que ça repère des endroits sur ma carte, donc c'est assez intéressant. Ouais, mais bon, franchement, ta gueule. Quoi. Des suces-sang qui font le plus qu'il y en a. C'est vers la tour, d'accord. Tout droit à l'ouest, puis à la cabane au sud. Ok, d'accord. Ça fermé. Feu follet et des mamons. Je sais pas ce que c'est. Les mamons. Il y a aussi des spectres du vent et des tout bruns. Des tout bruns avec autre chose. D'accord. Okay. Je voudrais en. Juste là droit, comme la puce. Juste là. Puis il y a le village, il faut aller la voir la vieillesse, c'est plus. Il faut y faire plaisir. Ok, allez. Bon, soit. Mais oui, tout le monde aime tout le monde, Amika, dans ce chat magnifique. Putain, mais c'est vraiment la 7e compagnie ici. Avec le vieux, l'autre qui sait pas parler et tout, c'est. Ouais, l'autre qui aime pas la sécheresse. Ben, vous connaissez. Non, d'accord, mais vous d'accord, d'accord, là. D'accord, ok. Allez, salut. Salut les pécores. J'en profite la semaine prochaine. Raclette Beaujolais charcuterie. Et en plus, je te fais un câlin. Mais ça, c'est une invitation qui ne peut pas se rater. Bon, alors. Il n'y a personne ici. Une épée. Glaive rouillée. Dégâts moins 30%. Bon, bah, c'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant. Un tonneau. Un truc à affûter. Ça. On s'en fout.
C'était comment encore Je sais qu'il y avait un bouton pour... c'était quel bouton? Ah oui, c'était le F, ok. Ah, oh, mais le Covid, maintenant, c'est... Enfin, voilà. Enfin, je vais rien dire, parce qu'il y a... Il y a des noyeurs qui sont pas loin. Il y a forcément des gens qui ont eu des soucis avec les... Ouh, c'est sympa comme, comme truc, ça. Ça donne envie. Bon, je sais pas, j'arrive pas bien à voir ce que c'est. J'ai ma petite idée, mais je ne le dirai pas en live. Noix et fruits secs, ok, c'est cool. Tu mets ça dans ta penderie, quoi. Voilà, c'est ça, moi le Covid, c'est des jours payés en arrêt. Ouais, bah oui. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est parce que les seigneurs sont mécontents. Ok. Bon, on va aller jeter un œil un petit peu dans toute la maison. Une caisse. Des poires. Un bouquet à la prophétie d'Hitlin. Je peux pas prendre la friandise, ok. On va lire le livre, histoire d'avoir quelques savoirs en plus. Voilà, super. Ok, ok. Est-ce qu'on a une carte? Oui, hein. Alors, on a le feu de camp là-bas, un feu de camp là-bas. Quand je serai grande, je serai serveuse dans un bar. Ok. Bah, tu... Quel beau choix de vie. On a un feu de camp quelque part ici, le type. C'est moi ou il... D'accord, ok. Bon, on est vraiment chez les pécores. Il y a un feu de camp quelque part ici. Visiblement. Non, c'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. Il est juste devant moi. Ah, il est là. Ah oui, ok, d'accord. Comment je peux y aller? Allez! Ah ok, par là-dessus. On va en profiter pour sauvegarder. Voir si je peux faire... Ah oui, je peux faire des trucs sympas. Contre les spectres. On va faire ça. Ah mais je peux pas faire... Ah merde. Moi, je voulais faire autre chose. Tant pis. Ok. Allez. On va re-sauvegarder parce que on a ramassé quelques trucs. Et je sens que... Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va bientôt crever. Je prends mes dispositions pour ne pas perdre... Pour ne pas perdre les petites choses que j'ai faites. La carte. Bon bah écoute, on va... Et on doit aller où avec toi, mon gars? Pas si vite, fiston. Chaque sacrifice nous rapproche du royaume sous les eaux. D'accord. La bonne configuration, Stenberg. Car rien n'est au-dessus. Alors, c'est F. Obélisque de Yezod. C'est quoi ce bordel? C'est un ancien dieu ou quoi? L'obélisque est très ancien. Dommage que je ne sache pas lire ces runes. D'accord. On peut potentiellement déposer quelque chose. Vous en pensez quoi de ce Witcher Next Gen? Eh ben écoute, je vais dire quelque chose, je voulais faire une vidéo là-dessus. Pourquoi? Parce que ça tombe très bien que t'en parles, en fait, Mika. Je vais pas pousser un petit coup de gueule. C'est pas un coup de gueule, c'est plus...
C'est plus une constatation, c'est triste en fait. C'est triste dans le sens où... bah, je vais quand même continuer. Hein. C'est triste dans le sens où... Ah, poulet ! Je trouve assez dommage que quasi personne n'en parle. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que... je vois qu'il y a des noyeurs pas loin. On a tellement craché sur CD Projekt pour ça suffit. Pour truc pour Cyberpunk à raison ou à tort. Merde, il est empoisonné l'autre, j'espère qu'il va pas crever. Mais personne ne va personne ne salue le truc de The Witcher, l'idée de faire ça, et surtout surtout le fait de le faire gratuitement, et CD Projekt Red nous a déjà pas mal voilà, nous a déjà pas mal habitué à ce genre de truc, et on sait, même si on peut si on peut en douter, Cyberpunk, ce sont des gens qui sont complètement passionnés, et ce sont des gens qui évidemment, il y a toujours un truc derrière, un but premier qui est... Oh, c'est quoi cette saloperie? Oh, ça a l'air bien dégueulasse. Ouh, ça t'aime pas ça, hein. Et donc voilà, donc je trouve un peu dommage de crier sur Cyberpunk. Ah ouf, merde. Ok. Quand ils font de la merde, même si voilà, c'est pas CD Projekt en fait, hein, qui a fait de la merde, hein, très sincèrement. C'est vraiment c'est les éditeurs, comme toujours, qui veulent traire la vache un maximum. Et qui ont fait en sorte que le jeu sorte sur des plateformes absolument pas adaptées. Mais et puis il faut pas oublier qu'en termes de bugs, la première version de The Witcher 3 était extrêmement buggée à la base. On va se dégager de là. Merde, j'ai pris du poison. Donc voilà, donc je pense qu'il faut vraiment relativiser. Ah putain, mais il y en a combien des noyeurs dans ce bordel ? Et donc voilà, je trouve ça un peu dommage que personne n'en parle. Wow. Ok. Si on va déjà faire ça. Allez, pourquoi il fait pas ? Voilà. Et donc voilà, mais maintenant, et franchement, honnêtement, maintenant, Cyberpunk, pour ma part, moi je l'ai fait day one. Ça suffit. Ouais, mais il y a un moment où vous allez arrêter de me peler le jonc, oui. Je trouve que Cyberpunk, moi j'ai... Je l'ai fait day one, donc c'est bien ce que je disais. Eh bien, franchement, moi, j'ai pas eu de bug particulier dessus. Maintenant, oui, j'ai eu quelques bugs, c'est vrai. Ça serait mentir que de dire le contraire. Mais c'était pas... selon moi... Mais il va fermer sa gueule, Pépé, oui! C'était pas ultra choquant. Après, voilà. Non, j'ai vu des compilations de bugs, oui. C'est clair que... Je pense que je suis trop... Moi, je suis trop gourmand, là. Je pense. Et donc voilà.
On défecte sur les old gen. À un moment, il faut laisser la créativité au studio sans les restreindre à d'anciennes générations. Ben oui, c'est bon, ça va 5 minutes les cross gen, mais il faut savoir se positionner au bout d'un moment. Mais clairement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et voilà, à un moment, je suis désolé, mais tu peux pas demander à un jeu qui sort ces moments-ci, tu peux pas demander à un jeu qui sort en 2022 d'être compatible PS3. C'est juste pas possible, c'est pas mettre des joueurs sur le côté, c'est juste de la logique. C'est tout. C'est voilà, je suis désolé. Ça suffit. Enfin voilà, je sais pas, c'est quand même tout à fait logique, quoi. Enfin, bon. Il y a plein de saloperies ici. Un cadavre complètement démembré. Une hache. Dégâts sac 10. Et 50 orins. Ça, on va prendre. S'il veut bien. Voilà. Et il m'a fait flipper, lui. Et il n'y a pas un... Oui, il y a un feu de camp aussi. On va un petit peu se reposer parce que... Blablabla. On va méditationner 3 heures. Je pense que ce sera bien. Quoique, on va plutôt attendre l'aube. Et on va voir si on peut faire quelques trucs alchimiques. Même pas, merde, purée. Là, c'est quoi, là? Sépulture du golem. Ok, bon, bah, on va aller voir jusque là. Mais d'abord, on va se reposer. C'est triste, oui, bah ouais, c'est triste. Après, bon, voilà, c'est pas un... Pourquoi je me réveille en pleine nuit? C'était pas en pleine nuit que je voulais me réveiller, moi. Mais ça a toujours été comme ça, hein. Ça a toujours été comme ça, voilà. C'est... Après, ici, moi, je trouve que on est vraiment, avec la PS5 et la Xbox Series SX, etc. On n'est pas vraiment sur du new gen, de la new gen, en fait. Je vais pas dire que... Et c'est stylé de ouf, hein. La viande, c'est ce qu'il y a de meilleur. De quoi? Oui, la viande, c'est ce qu'il y a de meilleur, d'accord. Ces géants se sont immobilisés en plein mouvement il y a longtemps de cela. C'est quand même extrêmement stylé, hein. C'est de la merde mid-gen, non, je suis pas d'accord avec toi du tout, le grand affaire. Je suis pas d'accord parce que... en fait, la série S fait exactement la même chose que la série X, en fait. Sauf que... Ouais, enfin... Oui et non. Il y a deux, trois petites différences. Mais... je trouve que... Perso, j'ai la série S. Et je la trouve largement suffisante. Il y a encore un autre mort, en fait, ici. Surtout en sachant que... voilà, mon PC fait tourner des trucs... Qui sont bien au-dessus de tout ça, donc... Putain, mais il y a plein d'ennemis ici. Allez, viens ici. Parce que ici, je peux pas bouger. Et comme je joue uniquement à des jeux... des maths, n'en déplaise aux collectionneurs, mais voilà, c'est... En fait, je trouve que la série S, le combo série S Game Pass est juste ultime pour quelqu'un qui est pas blindé, en fait. Ou dont ce n'est pas la qui a plusieurs consoles, en fait. Donc voilà. Mais non, ça fait pas baisser les capacités max des jeux, non, pas du tout.
Une télé OLED 4K avec la PS5. Oui, ça vaut le coup. Mais il faut, en fait, tout bêtement, la différence entre la série S et la série X, c'est la prise en charge de je sais plus quoi. Ah merde, j'ai pas fait en général. Et le fait qu'il y ait pas de lecteur de CD, donc après franchement, moi je vois pas du tout le, enfin, je vais pas dire que je vois pas la différence. Enfin non en fait, non, sincèrement non. Et de toute façon je me suis jamais extasié devant des graphismes. Pour moi un jeu c'est avant tout une aventure et. Et la preuve, puisque je joue à The Witcher, c'est nettement plus intéressant les jeux qui racontent des trucs et avec lesquels tu t'amuses, plutôt que certains jeux qui sont magnifiques certes, mais qui vont pas te faire, tu vois ce que je veux dire, qui vont pas te faire, voilà, qui vont pas te donner envie quoi, tu vois. C'est moi, on a découvert tous les endroits ou presque. Ah oui, lui, il voulait aller à la chapelle de Militel, oui, je me souviens. Et donc voilà, mais... Après, évidemment, chacun est libre. Hein, chacun est libre de jouer comme il l'entend. Oh putain, non, pas cette saloperie. Wow, ici, il y a trop de monde, il y a définitivement trop de monde. Il y a vraiment trop de monde. Le vieux qui se fait bolos. D'ailleurs, pour les graphismes... écoute, évidemment, une télé OLED, c'est une tuerie. Mais il faut voir... avec la PS5, oui, évidemment, ça va bien matcher. Ça, c'est cool. C'est vrai que... Mais pourquoi est-ce que je peux pas... Pourquoi est-ce que je peux pas faire de... Ah, voilà, ok. Mais ta gueule, le vieux! Ok. Allez, bouge. Mais bouge. Ça suffit. Oh, mais tu vas la fermer, oui. Je vais crever. Crève. Allez, bouge. Non. Je vais pas mourir. Oh, le coup de bol, quoi. Il me restait rien de vie, quoi. Allez, bouffe. Hein. Pourquoi il veut pas bouffer ? Waouh, purée, quoi. Ah, la violence, c'est clair. Pourquoi est-ce qu'il a fait... Pourquoi est-ce qu'il a mis le feu au truc ? Il avait la haine ? Allez, mange ! Mange. Purée, quoi. Il manquait de crever, hein. Ça devient vraiment chaud, hein. Est-ce que j'ai... Pourquoi est-ce qu'il se passe ça ? Pourquoi est-ce que j'ai le truc comme ça ? Bon, on va regarder la carte. Et je vois bien que c'est Geralt. Et là, c'est quoi ? Juste devant moi. Ok. Est-ce que j'aurais pas une... J'aurais pas feu de camp. Non. Putain, ça me fait flipper. Attends, parce que... Putain, il y a trop de... Bah si, il y a un feu de camp juste là. Il me semblait bien. Les icônes jaunes sont des feux de camp.
Ah bah oui, je vais potentiellement dormir à côté d'un mec complètement égorgé. Enfin, éviscéré plutôt. Bon, bah on va essayer de récupérer un petit peu de vie parce que franchement, c'est devenu ouais, la violence, clairement. Oh là là. Alors, bon. Et on n'a toujours pas fait une quête. Hein. Et en plus, ça donne pas énormément. Il donne pas énormément d'expérience en plus, c'est ça qui est fou. Un noyeur qui était en typose. Voilà. Putain, il y a trop d'ennemis! Attends, la carte. En fait, il faudrait que je tourne ici. Mais avant, je vais buter cette saloperie. Blair! Est-ce que je peux... Attends. Est-ce que si je combats avec ça... Ah, ok. C'est super bien fait, hein. Sincèrement. En fait, si je combats avec la... Avec la torche... Ouais, le cadavre peut servir. Si je combats avec la torche, c'est super utile. Donc je me demande... Je suis en train de me demander... Si bêtement... En combattant avec la torche... L'espèce de saloperie contre qui on est mort... Est-ce que ça marcherait pas bien? Ok. Et on a l'hôtel de Militel qui est juste là. Et on a un site d'énergie derrière. Merci, fiston. Je ne suis pas votre fils. Viens me voir si tu veux. Je te montrerai mes livres, et si tu veux, tu pourras monter sur mes genoux. Sorceleur, hein. J'en ai déjà rencontré un par ici. Il voulait se renseigner sur le cercle des éléments. Ah bon? Vous pourriez me parler de lui? Sorceleur, vous pourriez me parler de lui? Il s'appelait Berengar. Grand marque-page. C'était de près à la tour. Si c'est le cas, il devrait encore être dans les parages. Et il avait peur. Il passait presque tout son temps près des puits où ces idiots creusent l'argile comme des tombes. Et c'est tout ce que je sais. Merci, Pépé. Ok. Un site d'énergie. Mais je devais l'accompagner jusque-là, maintenant il se barre. Il va où? Mais Pépé, reviens! Pépé! Ah, on peut se téléporter vers le laboratoire de Kalkstein. Ah, ça, c'est cool, ça. D'accord, ok. Et Pépé m'a demandé de lui rendre visite, ok. D'accord. Hôtel de Militel, je ne sais pas du tout ce qu'on peut y faire. Attends, oui, mais... D'accord, mais est-ce qu'on peut pas... D'accord, on peut plus rien faire. Ça aussi, on a un autre truc là-bas. Ah, attends, on va regarder. Est-ce qu'on peut sauvegarder? Parce que, l'air de rien, on a rempli la quête. Hein, même si ça a pas l'air. Alors, le journal. Contrat sur les ghouls. Je dois aller voir. Blablabla. La quête ici, elle est terminée. On va essayer de retourner par là. En essayant de rester en vie, ça serait cool. Ça serait assez sympa. Et la musique, l'air de rien, elle met la pression, hein, l'ambiance. Ah putain, c'est cette saloperie.
C'est cette saloperie. Oh putain, mais... On va te faire cuire, hein. Attends. Putain, mais... Wouah, comme je me suis... Comme... Mais je me suis fait... bolosser. Je me suis fait bolosser, mais d'une force. Ok, bon. Mais je sais que c'est la bonne méthode. J'ai vu parce qu'on lui faisait beaucoup de dégâts. En fait, on aurait dû s'occuper des noyeurs dans notre dos. T'es mauvais. 3-0, c'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. on aurait dû s'occuper d'abord des noyeurs. Et puis ensuite, on aurait pu largement, je pense, buter la saloperie. Qu'est-ce que vous pensez si on fait une petite pause? Ben, vous pensez rien déjà, voilà, parce que c'est moi le boss, voilà, tout simplement. J'ai envie de fumer une clope. Et donc voilà, on va faire une petite pause. Ben voilà, on parlait de cyberpunk justement. On parlait de cyberpunk, donc c'est... Franchement, moi, j'ai adoré... En plus, je trouve... Même si cyberpunk n'est pas un jeu... n'est pas GOTY ou autre comme ça, moi, je trouve que c'est un très bon jeu. Il est vraiment dans la moyenne haute des jeux de cette année. Pour moi, c'est franchement largement dans mon top 5. Mais oui, voilà, c'est pas la tuerie que tout le monde attendait. Mais en soi, moi j'ai vraiment adoré ce jeu. Je l'ai kiffé du début à la fin. Et il y a plusieurs missions, mais il y a certaines missions qui restent vraiment gravées, quoi. Mais après, oui, c'est vrai, il y a des. L'utilisation des véhicules est un peu foireuse. Certains moments avec les IA est un peu l'IA est pas toujours ouf. Une fois que t'as certains deux objets, tu roules sur tout le monde, c'est vrai, mais à côté de ça, quand tu te laisses porter par l'histoire, je trouve que Mika, franchement, je pense que tu en serais très content, en fait, surtout maintenant parce qu'il y a toutes les mises à jour. Et sincèrement, je pense que t'en seras très content. Et voilà, c'est un bon choix de l'acheter maintenant, ou d'y jouer maintenant en tout cas, parce que il a pris tous les trucs qu'il fallait prendre, etc. Toutes les mises à jour qu'il fallait prendre, et tu vas vraiment kiffer, je pense. Tu vas vraiment kiffer. Donc voilà, allez, on fait une petite pause. Putain, j'ai plus de voix en fait. Je suis tellement malade. Je reviens dans. Il est 22h, dans 10 minutes. Allez, même pas. Allez, à tout à l'heure, les amis. Santé. Thank you.
Thank you.
les amis, j'espère que vous, votre temps de pause vous a profité. En tout cas, moi, c'était, voilà, c'était cool. Ça m'a permis de fumer une petite clope, même si c'est pas bon pour la santé. Parce que ma cigarette électronique est, voilà, elle est pétée, donc il faut absolument que je la change. Et c'est pas pour le moment, que je vais pouvoir le faire. C'est un peu, le bordel. Donc voilà. Je ne sais pas, je sais que j'ai pris une place sur Streamrunner, mais je ne sais plus à quelle heure exactement. Je regarde ça, mais je ne trouve pas. Je trouve pas du tout. Je ne sais pas du tout où c'est. C'est le bordel. Je sais plus comment on se retrouve dans Streamrunner, en fait. Ah, ça m'énerve, j'avais réussi la première fois, mais je me retrouve pas. Ah, ça m'énerve. Ça m'embête. Je sais plus du tout comment on fait. Attends. Je sais qu'il y avait moyen de faire ça, mais... mais je sais plus comment on fait. C'est pas grave. C'est faudrait que je regarde un petit peu ça de plus près. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, je sais plus. C'est pas grave. Bon, on se relance sur The Witcher. Avec une mort complètement foireuse. Mais je m'en doutais un petit peu. Mais par contre, je pense qu'on sait comment buter les échinopes. Hein. On sait comment buter les échinopes. Attends, par contre, si... Attends, il y avait un feu de camp ici, non? Il n'y a pas un feu de camp? Où est-ce que j'ai un feu de camp? Juste là. Ok. On va essayer d'y aller sans prendre trop de dégâts. Ah bah merde, j'ai une équipe de plat. Bon, bah, Cassos. Évidemment, on peut pas prendre le feu de camp en combat, je parie. Ah si, ça passe. Ça passe, ok. On va regarder si je peux pas faire des... Améliore la résistance à l'acide et au poison. On va faire ça tout de suite. On va même en faire un deuxième. Voilà, super. Et on va voilà, on va méditer histoire de pas se recommencer en pleine nuit, parce qu'en pleine nuit je pense que c'est encore pire. Bon, alors nos quêtes. Je dois aller voir quelle chaîne. Ouais, mais c'est chiant parce que pourquoi est-ce que je peux plus aller ah merde, voilà ce que je voulais voir. J'ai oublié. Est-ce qu'il y a moyen de changer le médaillon Mais oui, mais c'est pas ça. Moi, je voulais changer la portée du médaillon. C'est comment qu'on fait? Attends, peut-être dans l'inventaire. Ah, voilà, ok. Voilà. Grâce à ça, je vais pouvoir rechercher les sites magiques. Et normalement, si je dis pas de bêtises, si je vais sur la carte, maison de Pépé, chapelle de Militel. Ouais, et donc, attends, si je fais ça, normalement, je vais pouvoir retourner voir Kalkstein si j'ai pas de monstre qui m'embête.
Attends, hôtel de Militel, ouais, c'est cool. Mais non, mais c'est pas ça que je voulais, moi. Il est où le truc magique, là? Mais non, sors pas ton arme, abruti. Oeil de corneille, je m'en fous. Mais non, c'est pourquoi ce que... Mais enfin... Bon, c'est pas grave. Ah oui, si je suis la quête. Route de Vizima. Ok, on va essayer de retourner. On va essayer de retourner par là. Comment je fais? Voilà. Je découvre encore pas mal de mécaniques de jeu, en fait. Hein. Et si on allait d'abord à la maison de Pépé, comme on est là? Non? Ça peut être sympa, ça. Ok, dénoyeur. Wow, il y en a beaucoup. Putain, il y en a bladé. Allez. Paf. Ouais, franchement, le signe ini, ça marche trop bien. Hein. Même si franchement, ils m'ont quand même mis la misère. Hein. Franchement, c'est là qu'on voit que, honnêtement, dans The Witcher, c'est bien foutu parce que ici, c'est vraiment dangereux. À chaque combat, tu risques ta vie, en fait. Et c'est assez... C'est plutôt cool. Enfin, cool. Les musiques, par contre, ça me fait un peu penser... T'as encore un noyeur. Ça me fait un peu... L'ambiance, ça me fait un peu penser au vieux Resident Evil. Top, c'est quoi style de groupe, style rapide. Il faut que je fasse le style rapide, j'ai pas le choix. Ah, putain de saloperie, hein. Putain de saloperie. Mon liseron, il est où? Dépêche-toi de le boire. Bon, on va manger des fruits secs. Ah, putain, non, je veux pas crever. Mais non. Mais dépêche-toi de le boire. Putain, ces saloperies, ça me gonfle! Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Oui, il repère de la magie, mais... Attends, si je donne Vous avez reçu Sifiradier. What? C'est quoi ça, Sifira de machin? De téléportation. Attends, si je mets ça... Non, ça marche pas. Putain, j'ai reçu des objets de quête. Monter un petit peu le volume du jeu, d'accord. On va faire ça tout de suite. Pardon. Si c'est possible, attends. Monte un petit peu le son du jeu. D'accord, voilà, normalement, ça devrait être mieux. Ok. Par contre, il y a plein de trucs, c'est un truc de fou. Si je donne encore un raisin, j'ai reçu Guy. Bonjour Guy.
D'accord. Ok, bon, bah écoute, c'est cool. Mais c'est pas du tout ce que je voulais, en fait. Moi, ce que je voulais, c'était retourner chez Kalchen, mais... Feu de camp, blablabla, blablabla, feu de camp. Bon, bah tant pis, on va retourner là. On va essayer de se barrer de cet endroit complètement démoniaque. Il faut que je mette... Ah putain! Non! Vite, prends ta... Foutez-moi la paix! Il est où le truc? Mais non, je sais pas, de la poupée en sucre que je veux. Salpêtre, poudre noire. Mouette blanche, chahuant. Mais il est où mon truc? Ah putain, je l'avais pas fait. Allez, Cassos. Putain, mais c'est pas vrai. Allez, mais pourquoi est-ce qu'il veut pas faire le... Il faut que je me barre. Franchement, il faut. Ah oh ouais, vas-y. Site d'énergie, ok. Allez. Ce que je veux faire, ben. Ah voilà, ok. Ok. Ouf. Remets le son comme c'était pour le jeu. Attends. Désolé, j'ai pas regardé le chat. Tu disais. Ah, d'accord, le son pour le truc, la dignité. D'accord, ok. Ok, pardon. Voilà, excuse-moi, désolé, j'avais pas regardé le chat, j'étais pris dans le... Dans le jeu, il faut que je remette le... Ah putain. Il faut un troisième écran, les amis. Franchement, vraiment, il faut un troisième écran. On s'est mal compris. Oui, mais c'est pas grave, ok. Maintenant, j'ai compris. Bonjour, Kalchen. Waouh. Putain, mais il y a plein de trucs ici. Ah oui, d'accord, on est... D'accord, on est chez... Ok. J'ai perdu le fil de mes pensées. C'est normal, tu m'as pas parlé. Alors, est-ce qu'on peut... On va essayer de... Talisman repoussant les vampires. Ah, pas mal, ça. Livre du chahut en messager déjà... putain, ça coûte une blade. C'est ces trucs. Ça on va prendre par contre. Blablabla. Pour les bombes. On va acheter un max pour tout ce qui est... tout ce qui est alchimie, hein. Et avant tout, les alcools. Parce que l'alcool, c'est la vie. Non, je déconne. Hein.
Ouais. Bon, on va quand même acheter toutes ces merdes. Putain, ça coûte une... Putain, ça coûte super cher. Du coup, nous, est-ce qu'on peut lui vendre des trucs? Non. Non. Ok. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oui, clairement. Alors, je viens pour l'annonce. Je viens pour l'annonce. Vous avez peut-être de la moelle d'Al-Ghul pour moi? Non, pas encore. Faites vite. Ok. C'est tout, mais il y avait pas des quêtes que je pouvais terminer avec lui. Bah oui. Mais. Au sujet de oui. Où trouverais-je des renseignements? Blablabla. Ok, ça je sais déjà. Une autre. Très bien. Je vis. Vous avez. Mais merde. Encore, mais. Faites vite. Pour accomplir cette quête, vous devez avoir débloqué la page du bestiaire consacrée aux Al-Ghul. J'espère que je l'ai pas. Hein. Ce serait trop beau. D'accord. Et lui, est-ce qu'il a des choses? Ah ouais, mais merde, évidemment. S'il avait un livre, c'est trop cher. Ah putain, il est là en plus. Ah! Salut Zetterfox! Arf! Purée, il me faut de l'argent. Et c'est moi ou c'est moi sombre? J'ai l'impression que sur mon écran c'est moins sombre. En fait, j'ai changé quelques trucs au niveau de l'HDR. En fait, oh putain, les couleurs, quoi. J'ai appliqué l'HDR, c'est 10 fois plus beau, en fait. Bon. Est-ce qu'on a des quêtes à éventuellement terminer? Si on allait voir le forgeron. HDR, c'est la vie. Bah oui. Ouais, c'est beaucoup mieux, hein. Et là, le forgeron. Ok. Salut, grosse bébère. Vous êtes l'apprenti. Oui, je m'occupe du magasin. Je fais un peu de nettoyage. Qu'est-ce que tu cherches? Montrez-moi vos marchandises. Je peux pas. Tu n'as pas de recommandation. Et nous ne servons que les nôtres et nos amis. À plus tard. D'accord. Et lui, il veut rien savoir non plus. Un humain chez un non-humain? Il vous faut quelque chose? Je ne suis pas tout à fait humain. Vous avez peut-être quelque chose que je cherche. Malcolm Sten, il n'y a pas meilleur forgeron que moi à Vizima. Alors. Bel atelier. Vous devez en être fier. Mais où est votre équipement? Ils me l'ont confisqué, ces fils de chienne. Maintenant, je suis obligé de louer pour pouvoir travailler. Des voleurs? Pire, des officiers. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ils m'ont grévé d'impôts pour faire des affaires non humaines et vendre des biens non humains. Comment ils s'imaginent que je pourrais faire des choses pour les humains? Je suis un foutu nain. Ouais, ben... Coïncidence. Ce type lié à l'ordre a récemment acheté des nouvelles enclumes de Mahakam qui ressemblent drôlement aux miennes. Il faudrait que, voilà, je vais mettre le son Waza. J'avais oublié. Voilà, je le note. Alors, me vendriez-vous vos marchandises? Ben non, du coup. Je ne vends qu'aux amis et à ceux qu'on... Mais de toute façon, t'as rien pour me les vendre, donc qu'est-ce que tu me ramènes? Alors, bon, excuse-moi, si je peux te voler quelques trucs, ça m'arrangerait quand même bien. Allez. Allez!
Alors, une corbeille, une malle, une porderie, on va aller voir. Oh, une meule à aiguiser, ça sert toujours. Le rayon de miel, une poupée en sucre, blablabla, des conneries. Et du silex, ok. Bon. Attends, le journal. Le journal, les quêtes. On peut aller retrouver. On peut aller retrouver lui, histoire de finir la quête. Il va peut-être nous donner de l'argent. Et le prochain truc, c'est d'aller acheter le livre sur les Al'Ghul, justement, pour pouvoir aller buter des Al'Ghul pour le compte de Kalkstein. Alors, la carte. Ok. Retournez par là. Et essayez d'engranger un petit peu d'expérience parce que l'air de rien, on en prend vraiment plein la bouche. Honnêtement, dans les marais, on en prend vraiment plein la gueule. Je pensais que ça irait, mais en fait, vraiment non, en fait. Alors. Bon, l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a payé une fois, on n'a pas besoin de repayer plein de fois. Mais c'est vrai que la différence avec l'HDR demi, quoi. Sincèrement, c'est vraiment cool. Une torche, on s'en fout. Il est où le... On sent ce que j'ai soif. Ah, il est là. Ouais. Alors, il n'y a plus rien à craindre sur l'embarcadère. Je savais que vous en viendriez à bout. Merci. Ouais. Il m'a donné combien? Oh, 400. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est cool. J'ai dépensé sans compter. Et salut. DJ Piranha. Et merci Zetterfox. Merci beaucoup Zetterfox. Ah là 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 là. Je t'avais dit de pas faire ça. Mais merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bon, allez. On va essayer de retourner là-bas, histoire de... Les sous. Mais ouais, mais il faut pas... Merci beaucoup, mais t'es pas là pour ça, l'ami. T'es pas là pour ça. On est là pour prendre du plaisir ensemble. Enfin bon, ça fait bizarre dit comme ça. Surtout que t'es sûrement mineur, donc... Ça fait potentiellement de moi quelqu'un à mettre en taule. Non, je plaisante, hein, d'autant plus que je suis belge en plus. Non, le combo pédophile. Non, je déconne. Je déconne. Twitch, je déconne. Ne suspend pas ma chaîne, s'il te plaît. Je m'amuse bien avec, donc s'il te plaît. C'est pas pour rien quand même si en Belgique on adore le chocolat, hein. Enfin c'est une de nos spécialités. Hein. Soit. Bon. Elle a potentiellement besoin de moi à l'hôpital, la petite Chani. Oula. Mais il faut pas faire ça, Zetterfox, c'est gentil, mais... Ah là là, merci beaucoup. Je m'enfonce, ouais. Merci beaucoup, Zetterfox. Des bisous. Merci. Et merci pour Yukino, d'ailleurs. Alors, elle est où, Chani?
Elle est pas là, Shani. J'ai fait partir un train de la hype sur... sur... Enfin, on a fait partir un train de la hype sur... sur un live... Oh putain, t'es sérieux, là. Sur un live... sur le live de Delona, je pense. Et c'était très cool. Mais elle est où, cette Shani, enfin? Attends, que je relise la quête. Je devrais rendre visite à Shani à l'hôpital. Elle a peut-être besoin d'aide. Et pour Fashran qui le mérite, merci. Le reste, c'est pour le grand Jafar. Oui, il en a bien besoin. Enfin, il en a bien besoin. Il le mérite bien, pardon. Mais il faut pas, franchement, honnêtement... Garde tes sous, Zetterfox. C'est gentil, mais... Vraiment, garde tes sous. Elle est où, cette Shani? Ah, elle est peut-être là? Non. Excusez-moi, où est Shani? Ah, elle est là! Salut, Gérald. Bonjour, Shani. Oxenfur me manque par moment. Tu peux y retourner? Non, on a besoin de moi ici. Trop peu sont immunisés. Je voulais te parler. Fais vite, oui. Je dois reprendre le travail. Alors... Je peux me rendre utile? Tes talents ne servent à rien ici. Eh bien... Ouais, je t'emmerde. Nous n'avons pas encore de traitement contre la peste, mais... Tu connaissais Rusty? Ça ne me dit rien. Avant que la peste l'emporte, il avait découvert que certains extraits de plantes retardent la progression de la maladie. Il te faut ces plantes? Oui, et la plus efficace est la Kélidouane. Ah, une quête des mémos. Malheureusement, on la trouve qu'en terrain marécageux. Je ferai au mieux. Mais j'en ai normalement. Chaque fleur compte. Rapporte-moi au moins 5 pouces, d'accord. Il faut que je te parle. Ça peut attendre? Eh bien... Passe chez moi. C'est mieux pour les affaires personnelles. D'accord. Elle est installée où il y a la vieille. Je loue une chambre, dans le nord-est de Vizima. Je trouverai facilement. En face de la maison, il y a une petite place avec une sculpture de serpent. Fais vite, je dois reprendre le... D'accord. Ah, c'est cool, on peut... Pose un regard miséricordieux sur nos patients. Est-ce qu'on peut faire des... On peut faire du liseron, donc on va faire ça. On va en faire deux. Est-ce qu'on peut faire... Oui, on va faire un chat. Ok. Voilà. Il nous manque combien d'expérience? On est quand même... On est à peine à moitié de notre niveau. Enfin, même pas à cœur. Jeff Goldblum, ça me dit quelque chose, mais je sais pas qui c'est. Je sais plus qui c'est. Ça fait plaisir tous ces gentils mots, mais... Ça fait plaisir tous ces gentils actes. Merci, merci Zetterfox, vraiment. Bon, suite. Jeff Goldblum, le dieu. Je peux certainement... Je dois connaître, hein. Ça me dit quelque chose, hein. Mais j'en ai pas assez de Kélidouane. Kélidoïne. Il y en a plein, hein. Ah, purée, oui. Oui, ok, je vois... Ouais. Oui, c'est la même voix. Regarde la tronche de Gérald. Attends. Deux secondes.
Ouais. Ouais, vite fait, quoi. Vite fait, effectivement. Effectivement. Ouais, vite fait. C'est vrai. Allez, je reconnais. Je reconnais, c'est plus ou moins ça. Ouais, t'as raison, il y a un petit truc. Effectivement, il y a un petit truc. Allez, on va reconnaître. Bon, journal. Ah oui, la Kelidoine. Kelidoine, pardon. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'en choper... Attends. Berberis, vieille femme, on va pas accueillir une vieille femme. Ce serait dommage d'aller les bords, évidemment. Il n'y en a pas ici. Qu'est-ce que c'est ? Faut vraiment retourner dans les marais pour ça ? Il n'y en a pas là-bas ? Et ça, c'est quoi ? Attends. On est où là ? On va se barrer. Alors là, c'est juste magique. Pourquoi c'est juste magique ? Ça, c'est quoi ? Ouais, si, il y a quelque chose, mais vite fait, quoi. Non, je dis pas ça spécialement pour te faire plaisir, mais disons que je suis pas quelqu'un qui aime bien... je suis quelqu'un qui est assez facilement d'accord. Voilà, je suis pas... voilà. Non, c'est pas que je veux pas te vexer, mais bon. Non, c'est pas faux. Franchement, c'est... honnêtement, il y a un petit quelque chose. En tout cas, c'est la première fois que je fais ce genre de dinguerie sur Twitch. Mais merci beaucoup, en plus. Merci. C'est d'autant plus... c'est d'autant plus gentil de ta part. Donc. La Kelly machin, là. Pardon, excusez-moi. Dégage le chien. T'as de la chance que t'es venu quelques quêtes après parce que pour le même prix, je te bute. Il est où le passeur le... Il est où le passeur? Ah, il est là, mais vas-y, dépêche-toi. Je dois aller sauver des gens, moi, qu'est-ce que tu me fais? Amenez-moi de l'autre côté. Allez, on se décide. Ben oui, mais j'y vais. T'as à chaque fois payé ça à Cora, l'air de rien, ça va revenir cher. Prêt hein. Ben oui. Ah oui. Dans les marais. Dans les marais. La différence. Dans les marais. Amène-moi dans les marais. Alors, le petit whisky pour le mal de gorge, moi, je dis franchement, ça passe bien. Et j'ai bientôt, je pense que c'est à partir de 10 points d'abonnés que je pourrais avoir des nouveaux, des nouvelles émotes. C'est 10 ou 15, je sais plus. Donc merci. Whisky ! C'est un petit peu comme le barbare d'un Albuck. Baston ! Alors, la Kelidoine. Salut Jean-Pierre. Est-ce qu'il avait pas une quête à me donner, lui ? C'est pourquoi ? Enfin, je reviendrai dès que j'attends. Ah oui, c'est les... ah oui, pour les loups, c'est vrai. Un nouveau client. De la Kelidoine. Attends. On va regarder un petit coup la carte. Essayer de se diriger un petit peu par là. On va essayer
trouver surtout de la Kélidouane et on va essayer de buter ces saloperies de noyeurs qui vont nous gaver. Il est nettement plus rapide en combat. Hein. Laisse-moi ma tisane anti-Covid. Bah écoute, oui. Désolé. Désolé. Allez. Il a pas de reste, lui ? Non, ok. Mais non, pourquoi tu sors cette bête arme ? Il faut que je trouve de la Kélidouane. Ah, il y en a par là. Il y en a aussi par là. Donc ça fait 2. J'espère que ça vous fait pas mal aux yeux toutes les indications. Donc ça fait 2. Ça fait 3. On va accomplir le rituel. Voilà. Ça fait... Wow. Ça fait 4. Allez. Ah merde, y'en a un dans le dos. Putain, mais y'en a... Oh, Cassos. On utilise la solution de la lâcheté. Putain, quoi. Alors, tu disais, pardon. Bon, Chubby, je m'en vais rejoindre Morphée. Bah, écoute, pas de soucis. Bisous à toute la team et bon stream à toi, Fash. Eh ben, bon stream. Bonne nuit. Voilà. Ça fait plaisir de t'avoir vu. Bah oui, bah clairement. Bisous, j'avais covidé dans mon lit en boule. Bah, je suis désolé pour toi, Mika. Je fais plein de gros bisous. Prenez tous et tous soin de vous. Bah oui, clairement. Je vous fais des gros bisous. Soignez-vous bien. Prends bien soin de lui. Il le mérite. Le brave. Bon, il nous manque une Kélidouane. Putain, fais chier, ils sont par là. Attends, je vais d'abord bouffer un truc. Je vais bouffer un morceau de fromage. Et la preuve que, en fait, une fois qu'ils sont, quand ils sont tout seuls, ils sont quasi inoffensifs. Mais franchement, quand ils sont 3-4, ça devient très vite compliqué de les gérer. Hein. Putain, mais merde. Allez, Cassos. Putain, elle fait chier cette plante de merde, ça me fait chier, franchement. Ah non, c'est pas du tout à... C'est à Cocaxidium, ok. Une vraie saloperie, ce truc. Une vraie saloperie. Allez, est-ce qu'il y a moyen de récupérer de la vie assez rapidement ? On va essayer de se le faire quand même. Hein. Est-ce que je peux sauvegarder ici ? Oui. Allez, dépêche-toi de récupérer de la vie. Ça prend une plombe. Ouais, non. Euh...
Elle est où la dernière Kilidouane, la bordel? Ça me gonfle! On essaie de se diriger par là. Peut-être qu'il y en a par là. La myrte. Ah, il y en a une là-bas. Crève. Voilà. Il y a plein de noyeurs. On va essayer de les... de choper A à A. Pourquoi est-ce qu'il me... Pourquoi ils viennent pas au contact? Sorti de leur zone, voilà pourquoi. Allez, crève. Voilà. Et merci pour les... merci pour les réseaux de Grand Jaffar, c'est très gentil. On va quand même essayer d'aller chercher notre plante. Elle est là, ok. Ces trous boueux doivent être des puits d'argile. Elle est là. Putain, il y a plein d'ennemis. Ok. Allez. Crève. Voilà. Ça, j'aime bien quand la plan se passe comme ça. Voilà. Ah, magnifique. Des loups tout près? Je t'en donne des loups. Je suis là pour ça, ben oui, mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors. Est-ce qu'il y a quelque chose à choper ici, à faire ou quoi? Probablement, mais... je ne sais pas bien quoi. Cadavre mutilé. Ah ah. Ce corps a été déchiqueté par des monstres, mais c'est manifestement un glaive qui a porté le coup fatal et a bien affûté. D'accord. Hôtel Vaudanoï. Ah, c'est un hôtel Vaudanoï, d'accord, ok. Est-ce qu'on peut laisser quelque chose? On va mettre du miel, allez. Ah, c'est un coffre, en fait. D'accord. Ça sert à rien. Ok, il n'y a rien d'autre. Cadavre mutilé. Bon. C'est quoi ça? Attends, on va l'essayer. On va sauvegarder toujours avant. Hein. Alors. Allez, t'es resté 47 heures avec moi. Waouh! Ah ouais, quand même.
réveiller le grand Jafar. 62 heures. Oh purée. Eh ouais, on s'aperçoit. Franchement, c'est un truc de fou, les amis. Hein. C'est. Qu'est-ce que ça fait? What? Mais c'est ultra stylé! C'est quoi ce truc à la Predator? C'est pas pour autant que... C'est pas pour autant que je crève pas. C'est des streams de qualité que tu nous fais là, merci beaucoup. Par contre, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air sympa comme truc. Bah en fait, c'est super utile. C'est super utile à mon avis dans le noir. Dans le noir, c'est super utile. Bon, alors. Si on retrouvait... On va essayer d'aller retrouver... notre petite Shani. Voir si elle peut pas nous donner un peu de pognon. Ou autre chose. Histoire qu'on puisse quand même aller chercher le truc sur le... Les algoules, etc., etc. Dernier follow. En fait, c'est le jour où tu m'as follow, c'est ça? Bah en fait, oui, à la base. Bah oui, c'est ça. Zetterfox, à la base, tu me suivais sur, sur YouTube, en fait. Donc c'est pour ça, hein. Tu me suivais avec le... Le truc de Team Gest, en fait. Yaren. Merci. Quoi? Amenez-moi de l'autre côté. Allez, on se décide. Oui, mais c'est ça, en fait. C'est que tu étais avec... avec le pseudo Zetterfo... le pseudo Team Gest, en fait. Prêt. Donc, bah forcément, bah... À la cité. À la cité. C'est bien que vous faites... À la cité. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir ce que tu me dis. Vraiment. Je peux donner le lien de ta dernière vidéo YouTube trop facilement. Ah bon? C'est possible. C'est possible. Bah écoute, fais-toi plaisir. Hein. Même si, en fait, les liens à classe vidéo... Ouais, il y a plein de... Je sais pas si ça fonctionne. Ça a l'air de pas fonctionner. Hein. Non, Wisebot... Hey, gros chien. Non, effectivement, je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. Après, voilà, c'est pas très... Je vais pas dire que c'est pas important, mais... Bah, c'est plus important d'avoir le lien du YouTube que réellement... c'est joli le matin, comme ça. C'est con, hein, mais les couleurs sont... Franchement, je suis quand même épaté. Pourtant, il est vanilla. Je suis quand même épaté par les couleurs. Où que je suis. Ah, il faut que je fasse demi-tour.
c'est pas du tout par là, c'est par là. Je découvre certaines commandes. Bah oui, bah on est là pour ça, on est là pour découvrir plein de belles choses et entre autres bah, les commandes de... du chat. Allez, Shani, bon, montre-toi. Et donne-moi, si tu pouvais me donner du pognon, ça me ferait bien plaisir. Merde, elle est pas là. Purée, Shani, t'es où? Est-ce qu'on peut donner... Là, je reçois du gui et tout. Je sais pas pourquoi. Allez, mais elle est où? Encore en train de... On va tous mourir. Ouais, ouais, effectivement. Ah, c'est chiant, ça. C'est chiant. Je vais te donner ton truc, Shani, t'es où? Botte noire, c'est quoi sa botte noire? Salutations. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Je suis cireur de chaussures. Je décrotte vos choses pour 2 orins. Oh non, ça va aller. Bon, on va quand même le faire. Première visite à Vizima. Occupez-vous de mes bottes, purée, le mec sans respect, quoi. Si on veut, parlez-moi de la cité. Nous affrontons plusieurs crises sérieuses. Ils ont décrété la quarantaine à cause de la peste. Les écureuils défient l'ordre. Escoyatel, hein. Les écureuils sont en escoyatel, en fait. Centaines. Et nous devons nous méfier. Par centaines, t'abuses un peu, mais c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal. Vizima est un bordel en feu. Il y a beaucoup de commandes pour Modo, bah oui. Waouh. Il y a plein de choses. Vous ne parlez pas comme un cireur de chaussures. Qui ne cache pas un squelette dans son placard? Ou pas moi. Occupez de vos bottes. Je vous ai assez ennuyé. Non mais attends, mais... Je prierai pour Mais la ferme, toi. Chienne de vie. Mais je veux... Je suis très occupé. Je suis très occupé. Mais non, je voulais pas te parler. Je suis très occupé. Oh, purée. Je suis très occupé. Oh, casse les bonbons. Ah, oh, putain de prêtre. Chier, t'as niqué ma... Il y a plein de choses que je pouvais apprendre grâce à lui. Bon, est-ce que Shani est là? Mais putain, Shani, qu'est-ce qu'elle fout? À mon avis, il faut que j'attende la journée, peut-être. À mon avis, il faut que j'attende la journée. Parce que Shani, elle sauve des gens, mais il faut pas déconner. Que 2 jours. Attends, est-ce qu'il n'y a pas moyen de un truc pour... Attends, je pourrais peut-être aller à l'entrepôt, en fait, en attendant. C'est vrai que ce serait un bon plan, je pense. En fait, je pense que ce serait un bon plan d'aller... à l'entrepôt, parce qu'il fallait justement... Il y a une solution crame tout, ouais. Merci, Léo Dagan. Oh, en général, je réponds merde. Ça va plus ou moins avec tout. Ah, il faudrait que je le mette dans le... Ouais. Je vais le mettre dans les sons aussi. Ouais, non, c'est bon. Attends. Non, pas J, la carte. Désolé si ça avance pas, les amours, hein, mais franchement, il y a tellement de choses. L'air de rien, il y a tellement énormément de choses à faire. De toute façon, je vous avais prévenu. Je suis désolé.
mais je prends mon temps sur ce jeu. Mais comment ? Il est où cet entrepôt ? Porte du temple. Ah, à mon avis, il faut descendre en fait. Et puis c'est cool, on discute en fait. On n'est pas là pour faire un speedrun de The Witcher. Hein. On est là pour discuter ensemble et c'est cool. Non. Ça a l'air d'être cool vu que vous restez. Donc. La vache, je sais que je me tâte à refaire le 3 du coup. Depuis que tu as recommandé. Fais-toi plaise. Ah ouais, mais il faut que j'ai de l'autre côté en fait. Vraiment, fais-toi plaise. Encore un peu et puis... Ah voilà, ok. À se fermer, merde. Faut que j'ai par là alors. Il y a un truc par là. Non. C'est vrai que les quêtes, c'est pas toujours super. Je pense à la sortie du patch, je le programme. Ben écoute, comme tu le sens. Plein malfrat, bonjour. Choisis la poule que tu veux, mais la picore pas trop. Elles sont toutes sous notre protection. D'accord. Ok. Désolé, salut les malfrats, je vous vole des trucs, hein. Je m'en voudrais pas. De toute façon, je le ferai, moi c'est sûr. Donc, voilà, mais si ça te fait plaisir de le faire, bah fais-le, écoute, hein. Je me rappelle plus du coup presque découvert donc bah oui. Fais-toi plaise. Mais purée, ça m'énerve par contre. Ça m'énerve parce que j'arrive pas à avancer dans une quête. De faire ça. Ah, je peux aller parler là-bas. Mais ça m'énerve quand même de devoir toujours faire des allers-retours. De toute façon, perso, voilà, moi je suis parti sur la. Sur la trilogie, donc voilà, pour moi ça change rien. Mais je sais pas sur quoi tu vas enchaîner, mais moi non plus. Bah y a quand même pas mal de jeux, hein. La société a fait de moi ce que je suis. Pourquoi il y a des tweets qui se font sur. Je sais pas pourquoi il y a des tweets qui se font automatiquement via Wisebot. Je dis je les ai mis il y a pas longtemps. Je les ai synchronisés il y a pas. Voilà, aujourd'hui, ensemble. Donc je ne sais pas si ce que ça fait sur Twitter. Bon, on va aller. Pourquoi il y a des. Ah, c'est des chiens! Moi, je pensais qu'ils attaquaient. Donc. Porte du donjon. Ouais. Ah oui, j'avais déjà parlé avec lui. Posez-les.
pour avoir mis à prix la tête du professeur. Lorne intéressé. J'avais déjà... Je ne peux rien dire, mais le représentant du mécène passe ses soirées à la taverne. J'y ferai un tour. À plus tard. Je me sens de taille à arrêter une charge de cavalerie d'une seule main. D'accord. Donc on a avancé sur la quête de la salamandre, j'ai même pas écouté. Mais on va essayer de... je pense que c'est... l'autre, celui qui... comment il s'appelle encore lui? J'ai oublié son nom. Quand je vais le voir, je vais dire oui, mais... C'est un peu le problème dans celui-ci, c'est qu'il manque beaucoup d'explications. Pas tellement... non seulement au niveau de l'histoire, mais aussi au niveau du gameplay, au niveau du lore, au niveau de plein de choses. C'est un petit peu dommage, je trouve. J'aurais pu mieux faire. Maintenant, c'est aussi un premier jeu, donc on peut pas... on peut pas trop les blâmer non plus, mais... Mais ça m'a... Wow. Par contre, eux, on les bute beaucoup plus vite maintenant. Attends, avec le style... Voilà, avec le style puissant, en fait. Nickel. Creux de vampire. Masse. Tant pis. Allez. Un petit retour à la taverne. Alors, voilà, c'est Conrad. Purée, il y a pas mal de... Il y a un messager là-bas. Bienvenue, voyageur. Il paraît que vous achetez des bijoux. Et si c'est le cas? Dites-moi, qui achète des exécutions de la salamandre ou votre mère ne vous reconnaîtra plus? Sans Orin, si vous me dites... Laissez-moi. Oh merde. Laissez-moi. Et merde. Décidément, je fais que les mauvais choix. Hein. C'est pas vrai. Quoi qu'il arrive, ne pariez pas sur la boxe. C'est truqué. Que voulez-vous? Merci, c'est bon à savoir. J'ai trouvé Coleman. Oh, c'est Boucanier qui va péter de joie. Je l'ai perdu. Je n'ai fait que récupérer mon salaire. Dommage. Coleman, il était bizarre depuis un moment. Je n'ai rien remarqué d'inhabituel. J'espérais que vous auriez du neuf. Ok. Qu'est-ce que c'est que tous ces paris? La récréation du peuple. Deux durs se foutent sur la gueule, on parie sur le gagnant. Et les brutes, ça leur apporte quoi? De l'or, tiens. Les spectateurs rigolent bien. Il est gaffe des foules. Si ça tourne mal, les chiens mangent un peu plus. Ouais, c'est une bonne manière de voir les choses. Alors, est-ce que je peux te déposer des choses, mon ami? Ok. Une quête résolue, en plus. C'est magnifique. Ok. Donc, on a fait de la place pour pas mal de choses. Il y a pas mal de choses, je me comprends. Ok. Bon. L'année s'annonce difficile. Alors, est-ce que je peux toujours pas lui parler? Ok.
Mais Coleman, il était juste là, en parenthèse. Hein. Tu veux acheter... Parlons un peu de la salamandre. Doucement, sorceleur, il faut pas. Mais... Mais ? Non, ok. Il veut rien savoir. Mais j'ai quand même le truc de... Sur les noyadés, non ? J'ai pas le glossaire sur les noyadés ? Attends, le bestiaire. Mais j'en ai pas buté assez ? Ah mince. Donc on va aller voir Conrad. Voir si on peut pas. Oh, on peut pas boire ça. Et puis c'est quoi d'abord ? Du vin ? Du vin ? Ceux qui appellent ça du vin sont des criminels. Alors c'est quoi ? De la pisse de chien. C'est pour ça que je viens jamais ici. Je croyais que c'était la seule taverne de la cité. Je vis dans le quartier des marchands. Mais là-bas, ils ont fermé toutes les tavernes. Vous voulez gagner de l'argent ? Ouais ! Vous aviez parlé d'un travail pour moi. De quoi s'agit-il ? Je sais où trouver de l'alcool digne de ce nom. Mais il faut un glaive pour le prendre. Il vous faut un guerrier pour boire un verre ? Je sais où trouver du vin de Toussaint vieux de 100 ans. Ça a l'air trop beau. La cave à vin est dans une maison hantée par des monstres. Ok. Ça coûtera 200 orins. D'accord. Je reviendrai ici à minuit. Vous vouliez du vin, non ? J'attends toujours. Je savais que vous n'étiez qu'un vantard. Ne me sous-estimez. Mais oui, mais non, attends. Elle est où, cette maison ? Où est cette... Prenez la porte qui va à la digue. À droite, le chemin descend vers le canal. C'est la maison sur la gauche. La porte qui va à la digue. Ok. On va regarder ça. On va regarder ça. Ah bah oui, ok. Voilà, c'est... C'est déjà affiché, ça c'est... C'est magnifique. Allez, bon. Essayez quand même de finir quelques quêtes, hein, parce que... Ce serait quand même cool de... Une petite sauvegarde, je sais pas pourquoi je le sors bien. Histoire de pas crever en plein milieu du bordel. Ok. De la maison du détective. C'est là-bas ? Ok, je pense que c'est là-bas. Ouais, on est bon. Ouh, il y a des saloperies ici. Wow. Allez, mais... Ok, oh, moi... Heureusement qu'ils sont très lents. Allez.
Ok. Allez, wow. Essayez d'éviter un max. Allez. Waouh. Chaud boulette, hein. Ok. Ok, on va... On va manger un petit truc, histoire de reprendre de la vie, on ne sait jamais. C'est pas ce qui nous attend en haut. Y'a rien d'autre. Je savais qu'il valait mieux que je sauvegarde, hein. Je le savais qu'il fallait que je sauvegarde. La carte. On va retourner à la taverne de l'ours poilu. À la taverne du Grand Jafar. Ouh. Alors ça a pas lu. T'es bloqué dans Sekiro. Alors, lui, c'était qui m'avait... C'était Conrad, non? Ouais. Oui. Ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi. Et une magnifique. Quête terminée. Mais j'ai bu tout l'or qui vous revenait. Je prends une bouteille et je vous laisse le reste en récompense. Tant mieux, j'ai pas de bouteille. Pas d'argent, pas de vin. Il faut jamais se fier à un sorceleur. Ben non, il faut jamais se fier à un connard qui boit tout... qui boit quand il me doit de l'argent, je suis désolé. Tu les frappes. Ta mère aime sucer des nains. Ben tiens, je veux dormir. Frappe un type et on lui pique tout ce qu'il a. Vite fait, bien. Ok, bon. Bah écoute. C'est pas vrai. Bah ça nous fait pas avancer des masses, ça. Est-ce que je peux passer la nuit? C'est... Vous avez... 5. Allez, vendu. Vendu. Est-ce que je peux faire des... Ah. Une hirondelle. Faire des hirondelles. Faire un maximum de bordel. Voilà.
Nickel. Et par contre, ça m'embête parce que... on n'avance pas dans nos quêtes. C'est ça qui m'embête un petit peu. Intérieur. Alors, est-ce qu'on peut lui parler à lui ? Gérald ! Voilà. Un bail. Je n'ai pas cru Zoltan quand il m'a dit que vous étiez de retour. C'est moi, Munro. Les réfugiés, la guerre. Vous, Zoltan et moi, on les a aidés. Ça ne vous dit rien ? Non. Par contre, la barbe, elle est bien faite, je trouve. La vie vous a souri ? On peut pas se plaindre. J'ai un boulot tranquille. Je suis videur. Tranquille ? Les clients règlent leurs problèmes entre eux. C'est un endroit paisible. Les oiseaux ne chient pas dans leur propre nid. Non, effectivement. On joue au dé ici ? Oui, moi je suis professionnel. Une petite partie ? Ne le prenez pas mal. Je joue contre des professionnels. Jouez contre Carmen au bordel de l'autre côté de la route. Ou entraînez-vous avec Zoltan. D'accord. C'est tout ? Bon, on va regarder nos quêtes. Bon, celle-là, il veut pas, visiblement. Ah, voilà pourquoi. Parce que c'était des quêtes du chapitre 1. Et on est au chapitre 2. Voilà pourquoi. Parce que j'ai laissé une quête active. J'ai uniquement les phases actives. On va faire ça. Donc, alors, dans la quête secondaire. D'accord, j'ai que ça en fait comme quête secondaire en fait. Tout le reste c'est des quêtes. Ici on allait voir si elle est. Si elle est là, notre petite Chani. Alors, garçon pauvre, blablabla, blablabla. Attends. Je finirai par m'y retrouver un jour dans cette ville-là. Zoltan Chivet. Bon, j'espère qu'elle est là cette fois-ci, hein, parce que ça me gonfle sinon. Mais t'es sérieux ? Bah allez quoi ! Putain, elle est où ? Maison de Talar, donjon de la cité, poste de Vincent, porte du quartier des marchands. Ah, il y a un autre quartier en fait. C'est vrai que j'ai encore une quête là-bas aussi.
Antiquaire, marchand de village, marchand. Maison de Chani. Bon, on va aller voir là-bas. Jusque chez elle, parce que vraiment. C'est une feignasse à Chani. Et franchement, elle dit qu'elle travaille à l'hôpital, mais en fait, pas du tout. Hein. On va voir si on va pas la croiser. D'un côté, c'est bien fait parce que chaque protagoniste ont leur vie, mais d'un autre côté, pour les trouver. Oh non, pas la vieille, il va pas me faire chier quand même. Je suis. Elle est en plein nettoyage. J'ai. Votre mère ne vous a pas appris les bonnes manières. Mais. Oh putain. Pardon. Fait chier cette vieille là. Écartez-vous. Sortez. Mais. Oh purée quoi. Allez, j'aimerais bien terminer la quête quoi. C'est super frustrant. La fin est proche. Je commence à avoir un peu de poids pour t'embêter. Vous et vos semblables. Je suis venu voir. Le froid immac. Ouais, d'accord. Il y avait pas les trucs de grand-mère dans les trucs de quête. Attends. J'avais vu que j'avais des trucs de grand-mère là. Non, j'avais pas des trucs de grand-mère. Qu'est-ce qu'on peut lui offrir Qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir? Mais elle me... Cette vieille me casse les... Le dos droit. Oui, effectivement, pardon. C'est vrai que je suis un peu... 5 minutes, ok. Qu'est-ce qu'il cherche? Dites quelque chose. Je suis à l'hôpital. Oui, je suis de l'hôpital. Mais ne vous impose... Putain. Putain, quoi! Quand même! Elle est même pas là. Ah si, j'allais dire, elle est même pas là. Mais putain, qu'est-ce que tu foutais? J'ai de la kilidoine. Tu as toute ma reconnaissance. Ah bah purée! Si je peux faire quelque chose... Je devrais discuter avec elle plus souvent. Oui. Bonjour, Chani. Je voulais te parler. Oui. Qui est-il? Parfois, je rêve de la bataille de Brenna. Le massacre. Je suis désolé. Justement, je ne suis pas désolée. Je me réveille fraîche et dispose, comme si j'étais habituée à la souffrance, tu comprends? Oui. Tu aimes souffrir, en fait. Parfois, ça fait du bien de se confier. Je suis là pour ça. 3 de Skull and Bones, oui. C'est tout? Oui. Bonjour. Je voulais... Désolé. Ah purée, mais je pensais qu'il y avait... Oui. Je pensais que ça avancerait autre chose quand même. Arf, arf, arf. Et l'air de rien, c'est compliqué d'avoir le 2 droit... Plus l'habitude, en fait. Plus l'habitude. Ok, bon. Oui, on dirait pas, ouais. Effectivement. Alors. Ah, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse On va essayer d'interroger Vivaldi. Essayer d'avancer dans les quêtes un petit peu. Voir si on peut
prendre un petit peu d'expérience de cette manière-là, parce que prendre de l'expérience en combat, c'est compliqué. Ben non, c'est pas techniquement pas compliqué, mais c'est long, quoi. Alors, porte de la maison de Vivaldi. Gérald. Que se passe-t-il? On l'arrête pour collaboration avec les terroristes. Lui? Un combattant de la Scoetel? Son neveu était parmi ceux que l'Ordre a capturés. Ceux-là même qui ont assassiné les villageois près de Vizima. Non, c'est une erreur. Mon neveu est jeune et un peu agité. Mais ce n'est pas un assassin. Ça va être de la merde. Il a été pendu. Avant il est mourir, coupable. Il a la barbe qui glitch. Heureusement, nous les avons arrêtés avant qu'ils ne livrent leur cargaison d'armes. Aren, ce vrai patriote, est mort en les attirant dans le piège. Prenez vos affaires, Vivaldi. Vous irez pleurer au cachot. Je ne souhaitais pas me mêler des affaires de la Scoetel et des Avekar. Ces imbéciles m'y ont contraint. Craignant la vengeance de la Scoetel, Aren trahit tout le groupe. Il croyait y gagner sécurité et récompense. Corbeaux et corneilles se sont repus des jeunes non-humains. Les oiseaux, seuls vainqueurs de cette guerre. Quelqu'un viendra venger les combattants de la liberté. Inévitablement, quelqu'un exigera une légitime vengeance. Ah bah oui. Et les charognards seront gras et rassasiés. Corbeaux et corneilles... Ok, donc ils ont arrêté le nain, en fait. Donc si je regarde dans mes... Bah ouais, mais... À mon avis, je dois aller... Je dois aller à la prison, en fait. En attendant, je vais voler tout ce qu'il y a chez lui, hein. Bien normal, hein. Ah non, ça, on avait fait. C'est vrai, tu m'avais dit 5 minutes, mais j'ai oublié... J'ai oublié à quelle heure tu me l'as dit, bon. Alors, donc, blablabla. Ah oui, mais le problème, c'est qu'il est plus chez lui, forcément. Si je vais voir... Ouais, il y a plein de trucs qu'on n'a pas visités encore, hein. Il y a deux quartiers qu'on a... Evoland, excellent. Evoland, vraiment très très bon. Je sais pas si t'avais fait le premier. Mais vraiment très très bon. Je l'ai fait, il y a... N'est pas assez payé pour ça. Ah, c'est verrouillé, ok, d'accord. Je pense que c'est un des derniers jeux que j'ai fait full sur, sur YouTube, en fait. Mais vraiment très bon. Je présume que... On va essayer d'aller là-bas. J'ai fait le premier. Bah, le premier, le 2 pousse beaucoup plus loin, pas mal de, dynamique. Franchement, vraiment, vraiment très cool. Honnêtement, vraiment très cool. Il est évidemment un peu moins surprenant que le premier dans le sens où... pour le premier... Ah bah oui, tu m'as vu le faire, ok. Ah bah non, je le faisais déjà sur Twitch alors, oui c'est juste. Ah purée, j'avais pas vu qu'on pouvait... What? Mais c'était tout mon bordel ça en fait.
C'était tout mon bordel. En fait, c'était là depuis le début. Ouah, purée, quoi. Tout bêtement parce que je suis pas allé. Tout bêtement parce que je suis pas allé le récupérer en fait. Waouh, j'ai plein de trucs. Et en fait, je parie que maintenant, je vais pouvoir faire. Plein de potions. Je pourrais parler à ce Vivaldi. Aucune chance. Putain ! Les accusés de collaboration avec la Squetel sont des prisonniers politiques. Ce n'est qu'un vieux nain. Pourquoi est-ce que vous prenez son parti ? Il faut que je lui parle. Payez les 200 orins de caution et je le relâche. Après, vous en faites ce que vous voulez. Bah ouais, voici votre voici argent. Voici votre argent. Qu'est-ce qui vous amène ? Alors... Aurez-vous un exemplaire ? Des passages secrets ? Oui, dans ce qui reste de ma collection. Je m'en séparerai bien volontiers. Combien ? Vous m'avez fait sortir de prison. Bah, j'espère bien. Je m'efforce d'identifier le chef d'une certaine organisation. Purée, que je suis dégoûté. Et vous me soupçonnez parce que je suis un nain. Non, désolé, je ne soupçonne pas. Désolé de vous avoir soupçonné. Je sais que vous avez perdu le contrôle de votre banque. C'est gentil d'être aussi franc envers un nain. Pas de quoi. J'ai des renseignements sur Javed qui pourraient servir. Oh, parfois, ça c'est sympa. Un petit détail change tout. Je suis tombé sur son nom dans de vieux dossiers. Il a réglé ses frais de scolarité de l'école de magicien de Banhard. Mais il a été exclu après s'être intéressé de trop près à la magie noire. Il a cessé de régler ses frais de scolarité. Et la banque n'a gardé aucune trace de lui par la suite. Vous affrontez un renégat. Qui plus est, un renégat dangereux. Bah oui. Il a l'air effectivement dangereux. Mais attends, reviens. Reviens, je dois te parler. Qu'est-ce qui vous amène ? J'espère que vous récupérerez vos biens. Cette banque a toujours été dans la famille. Et maintenant des humains sans éducation. Ah, vous appelez ça la justice ? Non, j'appelle ça la corruption. Au revoir. Ok. Ah merde! J'avais pas vu que... Mais non! Ah merde! Va chier! Comment je sors ? Non, je vais me barrer. Je vais me barrer. Mais... Putain, je sors par où ? Oh là là, j'ai fait une connerie. J'étais parti, veuillez m'excuser. Bah écoute, il faut pas t'excuser, arrête.
Comment je me barre, bordel? Mais enfin, quoi! Allez, c'est juste ridicule! Feu de camp, site d'énergie. Eh, il y a plein de sites d'énergie, hein! Bon, bah écoute, je vais aller jusqu'au feu de camp, hein, de toute façon. J'ai un niveau à prendre, donc. Eh, mais. C'est qui eux? Ouais, je vais tout me retaper, bah oui. Mais bon, c'est pas grave. Ok, bon. Endurance, c'est quoi ça? De consommer un mutagène. J'ai pas de mutagène. J'ai pas de mutagène. Blablabla. Le problème, c'est que j'ai pas ces sorts-là. Toc, 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 toc. Ben, ça, j'ai déjà monté tout. Là, j'ai pas monté, mais... J'ai peur de ne pas en avoir besoin. Et salut les runners, j'espère que vous allez bien. On est sur The Witcher 1. Et on galère. On galère ensemble. C'est cool, c'est la classe. Donc voilà. Alors, bah écoute, on va prendre les... le truc d'argent, hein, parce que c'est super super utile. Dégâts plus 20, douleur plus 15, dégâts plus 25. On va prendre des trucs de dégâts. Voilà, magnifique. Ça fait plaisir d'avoir d'avoir les runners qui sont là, à la rescousse. C'est quoi ces gens? Faut que je pisse. Mais c'est cool, mais... Ah merde! Ouais, c'est des gardes, en fait. Pro, il s'est fait bolosser, lui. Ah si, je peux leur parler. Fiche le camp. Qu'y a-t-il derrière la grille? Rien qui te regarde, dégage! Que faites-vous dans les égouts? On chasse les rats. Allez, dégage! Où est-ce que ça se passe? Propriété privée! D'accord. C'est tout? T'es sourd ou quoi? Dehors! À plus tard. Propriété privée! D'accord. Bah écoute, je peux ouvrir là-bas? Ah purée, quoi. Il y a un site d'énergie ici tout près. Ah purée, ils font chier. Allez, crevez, saloperie! Alors, du coup, je peux prendre les restes. Ça, c'est cool quand même, parce que ça me permet d'avoir des composants d'alchimie à moindre coût. Yop! Voilà. Call of Cthulhu, ah oui! C'est vrai que Call of Cthulhu, il est très bon. Pourquoi je peux plus avancer? Ah voilà. C'est vrai que j'avais vu un let's play dessus. Il y a aussi...
Vampire qui est vraiment pas mal. Oh mais foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix, bande de saloperies. Oh, je l'ai bolosse maintenant. Bon, attends que je regarde là. Ah, ok, ça va remonter par là. Ça va, franchement, maintenant, j'ai plus rien à en craindre, en fait. C'est déjà ça. Bon, est-ce qu'il y a moyen de remonter par quelque part? Purée, quoi. Ah, bah voilà, t'as lancé le DL de Call of Cthulhu. Bah, écoute, c'est cool. Ça, c'est cool. Bon. Alors, si on regardait un petit peu nos quêtes, apparence trompée, c'est quoi? Cette enquête n'est pas aussi sale vraiment que le Raymond le voudrait. Apparemment, tous les suspects ne sont pas coupables. Bah oui. D'accord. Tu sais quoi, on va faire ça. On va aller là. Et on va regarder la carte. Et on va... Écoute, on va aller au feu de camp. En plus, ça va me motiver grave et j'en ai besoin. Pourquoi t'as besoin de te motiver? Qu'est-ce qui se passe, mon Jafar? On a des misères? Ah, il faut pas. Tout va bien, les amis. Et même quand ça va pas, ça doit aller. On n'a pas le choix, j'ai envie de dire. Hein. Regardez ce poulet. Il sait pas ce qu'il fait là. Il est en train de se faire bouffer par des rats. Mais il râle pas. Alors, bah écoute, on va aller jusque minuit, voilà. On va faire une petite sauvegarde, très rapide. J'ai vu ma baisse de... Wow, oh, qu'est-ce qu'ils veulent Ah bah oui, c'est peut-être parce qu'il y a un vampire en fait. Merde. Le vampire, il se fait... Ah mais non, je voulais pas... Mais non... Merde, j'ai tapé le bandit aussi. Allez. Ah, je voulais pas, ils m'ont aidé et tout en plus. Ok. Je voulais pas buter les bandits. Bon ben désolé pour les bandits. Ouais, c'était agressif. Bah écoute, voilà. Enfin, je sais pas toi, mais il faut pas se prendre la tête avec les audiences. Hein. Oui, c'est clair que c'est. Voilà, c'est toujours gay d'avoir. D'avoir des trucs, d'avoir des audiences sympas, mais bon. Pas se prendre la tête non plus, quoi. Alors, ouais, on peut faire plein de trucs sympas. Faire des hirondelles. De l'huile contre les spectres. Les charognards, ça peut être pas mal. Ok.
Un chat. Et on va... qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on va mettre comme base? Et si on faisait un truc au hasard? On va essayer de faire un truc au hasard, on va voir. On va essayer de faire un truc au hasard. Non. On va prendre ça. La poussière de mort. Voilà. Du phosphore. Bon, 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 raté. Ok, bon. On devait quand même méditer jusqu'à minuit, l'air de rien. J'ai vu que le stream runner, c'est grave cool. Bah oui, clairement. Clairement, franchement, c'est plutôt cool hein, d'avoir, d'avoir des gens qui aiment le partage comme ça. Maintenant, il faut pas se mentir. La plupart ne viennent pas pour le partage, mais plutôt pour avoir eux-mêmes leur petit quart d'heure de gloire. Chose que je peux encore comprendre, mais bon. C'est toujours cool d'avoir une petite... d'avoir pas mal de d'échanges. C'est toujours sympa. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Jamed et le professeur ont disparu. Mais mieux vaut un qu'aucun. Allons-y. Ah. Qui est-ce ? Ce n'était pas notre accord. C'est juste un sorceleur. Vous savez que les sorceleurs sont des golems dénués de volonté propre qui obéissent au doigt et à l'œil sans se plaindre. N'est-ce pas, Gérald ? Bouf. Oui. Assez de salade. Je vous prends la main dans le sac à traiter avec la salamandre. Mais c'est qui, lui ? Un imbécile parmi d'autres. Oh, ça va. Où sont Javed et les secrets des sorceleurs ? Parlez, ça va fight, à mon avis. Où l'acier des sorceleurs n'aura plus de secrets pour vous. Tu vas regretter ça, poulet. Tuez-les ! Essayez donc. Meurs ! Wow. Ok. Attends. Allez, pourquoi est-ce que je peux pas faire de signe? Ah oui, voilà pourquoi. Parce que je les ai pas. Allez, crève. Allez, mais pourquoi est-ce qu'il veut pas faire de signe? Mais enfin! Voilà. Et on voit la différence avec le début du jeu. Hein. Franchement, on est quand même un peu plus badass. Hein. Non, mais sors ton arme, abruti! Ok. Lui, il est déjà un peu plus rock'n'roll. Hein. On replonge dans Lovecraft. Ah, bah ça, c'est cool, ça. Défonce tout le monde. Eh ben, c'est ce qu'on a fait. Je sais même pas si ça sert à quelque chose. Ah, bah, je peux pas. Des sous-sous. Il ne faudra pas oublier qu'on peut maintenant acheter le livre pour les Al'Ghul, justement. Donc c'est plutôt cool.
intéressant. Ok. Ok, calme. Cassos. Cassos. Ouais, défonce tout. Alors, on va avoir une petite discussion maintenant avec notre ami Vincent, qui nous avait l'air tout à fait gentil. Bon, tu mets quand en place les badges abonnés? Bah, les badges abonnés, ils sont déjà mis en place. Ah oui, c'est vrai, ça. Comment ça se fait que vous avez pas les badges abonnés? Bah, mais merde. Mais moi, je l'ai. Ah, c'est peut-être pour ça, en fait. Attends. Mais non. Mais comment ça se fait que... Bon, enfin... Ah, t'inquiète, nous, avec Zether, on est pistonné, on est fondateur, ouais. Bah ouais, je vois ça. Ouais, à mon avis, c'est ça, c'est que les deux trucs sont repris en un. Parce qu'il est mis fondateur, virgule, abonné depuis un mois. Donc, ouais, mais c'est assez bizarre. Parce que regarde, j'ai mon truc d'abonné. Mais surtout, on le voit pas. C'est pas possible. Regarde. Attends. Je vais te montrer. Oui, blablabla, blablabla. Je sais pas si on peut mettre en plus grand. Non, on peut pas zoomer. Mais tu vois ici. Là, j'ai mon badge. J'ai badge d'abonné. Tu vois? C'est assez bizarre. Gifter leader 1. Bah oui, tu vois, c'est la petite flamme, en fait. J'ai effectivement pas encore mis les badges d'abonnés avec les barbes et tout ça. Par contre, je l'ai mis sur ma bio. Non, mais c'est pas grave, pas de soucis, t'inquiète pas. Pas de soucis, ne t'inquiète surtout pas. Alors, on va sauvegarder un petit peu. Voilà, déjà. Tac. Parce qu'on a fait pas mal de choses. Alors, la carte. C'est la carte, c'est par là, ok. Et on remonte par là. Ensuite... Non, c'est par le haut. Tac. On va quand même prendre les plantes. C'est con, on passe par là, donc... Et elles sont terribles, d'ailleurs, les badges... Les badges abonnés comme ça sont vraiment cool. Mais j'ai peur qu'on ne le voit pas bien, en fait. C'est ça qui me fait peur. C'est pour ça que j'ai mis les dans la bio, parce que j'ai peur que ça se voit pas tellement en badge abonné, en fait. Je sais pas, je vais essayer. J'ai pas encore eu l'occasion de... Où est-ce que je dois aller? Mais il est où? On n'est pas assez payé pour ça. Les runes sont pas sûres la nuit, rentrez chez vous. Les runes sont pas sûres la nuit, rentrez chez vous. Ok, est-ce que je devrais pas aller passer la nuit tout bêtement? Ah purée. Ah, il faut que je
Je reparte. Tu vas me dire que c'est le relativement logique, hein, mais c'est une habitude qu'on n'a pas, que j'ai pas prise. C'est de venir en pleine journée, hein. Alors, tac. À un moment, je vois bien que ça va bloquer avec les mutagènes et tout. Parce que... Attends, peut-être... Rien de l'ordre. On va aller voir si à la taverne, je peux pas aller... Je peux pas vendre des trucs. Histoire de gagner un petit peu de place, parce que l'air de rien... Ah non, merde. Pas du tout là que je vais aller. Mais... Non, c'est dans l'autre sens que je voulais aller, moi. Attends, comment est-ce que je fais pour ressortir ? Voilà, c'est juste là. C'est juste là. Au pire, on va stocker des trucs, mais on va essayer de... Attends. F... Tu te bats ou tu fais que regarder ? Coleman, serveuse de tavernier, voilà. C'est... Alors... ouais. Bon, tu sais quoi, je vais virer les cadeaux parce que ça me casse la tête. Les silex aussi. Que je fasse avec ça en fait. Un poisson, ok, ça je vais garder. Ça on s'en fout. Voilà, ça fait un petit peu de un petit peu de place. On pourrait peut-être vendre à tout ça. Tu pourrais peut-être vendre, hein. Tu sais quoi, on va essayer de... Elle est pas là, la serveuse ? Comme maintenant, on s'en fout. Ah, elle est là. Est-ce qu'on peut... Génère de l'endurance... La graisse d'ours. Ça, on va quand même acheter. Ok, bon. On lui vend ça. Ça, on va garder. Voilà, on va faire de la place. Hein, parce que pour les boissons peu alcoolisées, on s'en fout. Sur les autres, elles nous servent de trucs pour faire nos...
nos potions. Ah, comme ça, on fait... On fait de la place. Voilà. C'est déjà plus propre comme ça. Tu veux du gras, j'en donne si tu veux. Non, ça va aller, t'inquiète. Ok, bon, bah là, c'est déjà plus propre. Alors, on est sur quelle quête? Ah oui, c'est juste. J'avais déjà oublié. Allez. Vous avez une chambre. Voilà. Alors, on va voir pour faire de l'alchimie. On va prendre ça. Et l'huile, on va la garder. On n'en a pas besoin pour le moment. Allez! Allez, il faut que je... Ah, purée. Faut que je m'endorme plus... Ouais, je suis toujours la nuit. On est toujours la nuit. Bon, tant pis. Je vais aller chercher le livre chez Truc. Chez Kalkstein. Comme ça, on a le... On a de quoi aller chercher les algoules et tout ça. Là, si jamais on tombe dessus. Ok. Allez, avance. Avance. Non, je sais pas si ça marche super bien à Streamrunner, hein, franchement. Mais bon. Au pire, bah voilà, ça te ramène 2-3 personnes. Vaut mieux ça que... Voilà, dans l'absolu, vous... Le mal, ils m'ont rajouté en gratuit Skyrim ? Ah bon ? Sur quel... Ah, il dort ce con. Ah mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui... Ça fait un boost de stats. Ouais, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que t'as besoin de dormir? Allez. Talisman repoussant les noyeurs. Vérité, c'est pas mal ça. Ah mais 400 le prix quand même. Ah, rajouté dans le PS Plus. Oh oui, oui, ok, d'accord. Bon. Bah écoute, on va acheter ça. Hein. Le Wyvern Basilic et les Cocatrix. Ça m'embête. Alors c'est cool, c'est des recettes. Certes chères, mais c'est... Mais des recettes, ouais. Le livre du chaillon, on l'a déjà. J'avais déjà lu ce document. Ouais. Oh purée, ça m'embête. Ça m'embête parce que... De toute façon, ça, j'ai pas le choix.
Je dois l'acheter. J'ai pas le choix. Avec 400, 400 et 400 purées, quoi. Ça me gonfle. Allez, fuck it. Au diable l'avarice. Est-ce que je peux lui revoir les livres ? Je viens. Vous avez peut-être. Ouais, mince. Pas encore. Okay. Faites vite. Non, te rendors pas. J'ai perdu le. Putain, je peux même pas lui revendre. Je peux même pas lui revendre, quel scandale, quoi. Attends, est-ce que je peux... Ouais, je vais lâcher l'objet tout bêtement. Sans aucun respect. Mais j'avais pas plus de d'hirondelles que ça. Bon. J'avais deux hirondelles. Ok. Ensuite. Chasse sauvage, blablabla. Bla 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 bla. Ah, les décharneurs, ok, d'accord. Les dévoreurs. Ok, donc, ouais. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc sur le l'espèce de... L'espèce de truc qu'on avait trouvé, là, dans le marais, non? Visiblement, non. Ok, bon. Bon! Est-ce que il va se ramener Vincent, parce que il est bien gentil, mais j'aimerais bien avoir une discussion avec lui. Et c'est pas parce qu'il fait nuit qu'il faut se cacher. Hein. Alors. Ok, on va faire demi-tour. Allez, avance. Tac. On va passer ici. Ouais, c'est ça. Tac. Je vous dis, moi, mon sens de l'orientation, vraiment, c'est pas tout à fait ça. Hein. Mais jusqu'ici, ça va. Jusqu'ici, ça va. Putain, j'ai chaque fois la flip quand j'entends des... comme ça. Ah non, il est pas là. N'est pas assez payé pour ça. Il est pas là. Mettez où? Pas là. Ça me gonfle. Bon, je vais retourner là-bas. Il n'y a pas moins de ce TP en plus. Ah, les anciens jeux, qu'est-ce que vous voulez, hein. C'est comme ça. Il commence à faire jour en plus, je pense.
Je pense qu'il commence à faire jour. Bon. Je crève de faim. Il est quelle heure ? Minuit 20. Si je veux être en pleine possession de mes moyens demain, je pense qu'il est temps que... Je m'arrête là. On va faire une petite sauvegarde. Et on verra. On verra jusque demain. Comment ça se passe. Tac. Et demain, probablement, je vais streamer dans la. Dans la journée. Je pense. Attends, qu'est-ce que j'ai demain? Non, je pense que c'est bon. Je pense que j'ai rien. Donc si j'ai rien, je streamerai pas dans la journée. Évidemment le soir. Hein. Et bah on va faire un petit. Oups, on va faire ça. On va faire ça. Tac. Voilà. Et un petit. Un petit passage à la caméra. Voilà. Non, il faut pas dire... Yukino, reste bien. Reste bien. Reste bien pour le raid, évidemment. Reste bien pour le raid. Reste bien pour le raid. Ce serait dommage de rater ça. Et on va aller sur Delana, justement. Delana, qui est sur The Dark Pictures Anthology. The Devil in Me. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Moi, je vous fais de gros bisous. Et à la prochaine. Zeter Fox reste un petit coup pour le raid histoire de donner de la force à Delana qui a déjà voilà qui est pas mal donc voilà allez c'est parti. Delana Walk, j'espère que ça va vous plaire.